Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet complètement différent de ce que je fais sur la chaîne. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment énormément et qui se passe actuellement en plus, hein, en 2021. C'est la possibilité de participer au premier vol commercial spatial pour se balader autour de la Lune. Avec Elon Musk et les fusées SpaceX. Et c'est un concours, si on peut dire, qui a été lancé avec Yusaka Maezawa, donc alias MZ. Donc c'est un japonais milliardaire, entrepreneur, ce genre de choses. Et donc, si jamais vous n'aviez pas suivi, il y a quelques semaines, peut-être même une semaine en arrière, on pouvait faire un dossier d'inscription personnel pour s'inscrire, pour être voilà, potentiellement retenu. Ce à quoi j'ai évidemment fait, parce que j'en ai pas parlé sur ma chaîne actuellement, mais j'adore tout ce qui touche à l'espace, tout ce qui attenant à ça, les satellites, les galaxies, et vraiment c'est une passion depuis très longtemps. Et là, il y a cette possibilité, oui, cette vraie possibilité de réaliser un rêve de gosse, de peut-être aller dans l'espace. Donc, bon, on va pas se mentir qu'il y a 8 places pour 500 000 ou 500 millions de candidatures. Non, 500 000 candidatures, je crois. Et peut-être, ou peut-être un peu plus, on est peut-être plus proche du million. Donc voilà, les préenregistrements, c'était jusqu'au 14 mars. Donc on est le 16 actuellement quand je tourne la vidéo. Donc voilà, c'est fini. Et actuellement, il y a les inscriptions pour la suite. Où en fait, ce que MZ et Elon Musk ont demandé à tous les participants, c'est qu'en fait ils nous ont envoyé un lien avec voilà une partie, une fiche à re-remplir en plus, et avec quelques questions à l'intérieur pour justement voir un petit peu notre niveau de motivation, si l'on peut dire. Donc je vais vous placer les questions là, donc deux questions très simples. Donc il nous explique voilà, que c'est une opportunité incroyable d'être le possible futur passager, et ils veulent savoir un petit peu voilà notre quel est notre projet de vie, un projet créatif, qu'est-ce qu'on pourrait apporter à la mission, et ensuite voilà un petit peu les interactions avec les autres passagers de l'équipe. Bon, je résume rapido ça, hein, parce que je l'ai re-rempli là actuellement. Je vous mettrai également, si vous voulez, peut-être en description ce que j'ai répondu à ces questions-là, qui pourraient peut-être vous intéresser. Et puis évidemment, dans tout comment dire, ce système-là, on a un hashtag Dear Moon Crew, donc ce sera à la fin de la vidéo, enfin dans la description et sur la vidéo. J'espère que voilà d'autres personnes qui ont participé comme moi en France, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, enfin partout sur la planète, c'était vraiment un concours ouvert à tous. Donc malheureusement, si vous regardez cette vidéo-là et que vous êtes intéressé, bah désolé de la faire un peu tard. Mais ça m'a pris là et franchement c'est carrément motivant. Je pense qu'on a plus de chances personnellement de gagner à ce concours, à cette sélection, que de gagner à l'Euro Million ou au loto. Mais c'est vrai que la possibilité même d'aller dans l'espace, de réaliser un rêve comme ça, d'aller dans l'espace, en tout cas moi c'est mon rêve depuis toujours, c'est vraiment, ce serait vraiment fantastique. Donc je vous tiendrai au courant, de toute manière. Pas trop d'illusions, mais bon, si jamais, voilà. Et les réponses sur les sélections et un petit peu sur tout ça, ça date du 21 septembre, donc on verra comment ça se passe pour la suite. Assignment, all-in interview, final interview and medic check-up. Late, 21 mai, non, mai 2021. Enfin bon, peut-être que pour mon anniv, ce sera un beau cadeau. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo concernant l'espace vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Si jamais vous débarquez sur la chaîne, bah bienvenue, hein. Je ne parle pas forcément de ce genre de sujet-là. Mais là, voilà, c'est quand même exceptionnel. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce genre de ce petit concours à taille planétaire. Et puis bah voilà, si jamais vous kiffez les vidéos, la bonne humeur, la bonne entente, bah, n'hésitez pas à commenter, liker,
au cas où vous abonnez, activez la cloche. Et puis sur ce, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Allez, ciao!